Oh, salutations, on se retrouve à nouveau sur Fallout 4 pour la suite de notre aventure et on va démarrer dans cet épisode le DLC Nuka World et on va écouter la station de radio. On n'entend rien. Très bien, regardez. Pour l'hiver, Capi et moi. Et n'oubliez pas d'apporter votre bouteille. J'écoute. Attendez là. Les vieux os se reposeraient bien un peu. Réduction de $15 à l'entrée. Alors, grimpez vite. Oh, Valentine. On reprend la route. Et venez voir. Allons-y. Bon, d'accord. Tant que c'est encore possible. Le Nuka Express est accessible par le biais du centre de transit du Nuka World. Parking payant. Les tarifs sont susceptibles de changer en raison de la fin de saison. Nuka World, Nuka Express et tous les personnages de la famille Nuka Cola. Comme un Noël, c'est pas l'endroit idéal pour voyager. N'hésitez pas. Ok, au centre de transit, j'ai pas tout entendu malheureusement, j'espère que vous, oui. Salut les enfants. On va couper la radio. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça vite fait ici, hein. C'était chiant. C'était d'un chiant. Ces espèces de monstres nous ont vraiment fait mal. Vous ne pouvez pas aller par là. C'est pas toi qui décide. Hein. Personne ne va voir ce que c'est que ce signal tant que cet endroit n'aura pas été sécurisé. Si je vois qui que ce soit enfreindre le protocole et entrer dans cette gare de transit, tant qu'on soit prêt, je lui fais la balle. Alors je m'attendais à beaucoup de grenades, oui. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à me faire agresser direct. C'est peut-être mon côté naïf. Voilà, la tête bien accrochée, hein. Wouah, bien. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Auto-save. Retour à Sanctuary, j'imagine. Y'a pas de soucis, Antoine. Passe une bonne après-midi. Bon, petite ellipse YouTube, on va retourner à Nuka World, mais cette fois-ci énervé. On va être énervé. Re YouTube, il est l'heure de la vengeance. J'ai réparé mon armure parce qu'en fait on m'a appris comment faire. Eren m'a appris comment faire. Salut Eren. Bonsoir. Une demi-heure qu'on se parle, mais salut. Oh, salut. La République.
Bah en tout cas ouais c'est vrai que avoir une armure propre et réparée, je suis un connard. Je pense c'est un peu plus agréable. C'est Oh là là. Non non mais c'est bon tu regardes. Oh là là. Oh là là mais regardez-le. Ah la manette, ça se sent que t'as la manette hein. Ah, c'est... La, le curseur il fait des whoop whoop whoop. Ah mais t'as Nick avec toi en plus. Oui. Ah oh, bah c'est bon t'es cover. Non mais c'est bon t'as le meilleur perso du jeu, c'est bon. Tranquille, c'est bien. Bah je prendrais tu sais Long Feng, c'est Jean-Michel Raciste. Lui je le prends que quand je fais la République. Qui? Quoi? Long Feng. Je sais pas qui c'est. Longfellow, c'est un mec que tu croises à Far Harbor et qui est là en mode il faut détruire les enfants d'atomes, détruire, il faut tout détruire. Ah, lui je l'ai tué. Hein, c'est un compagnon. Oui mais il est raciste. Bah oui mais moi je lui ai dit bah ça va, on a l'air d'avoir les mêmes idéaux, viens. Ah bah moi pas hein. Du coup il est mort. Ceci dit, Nick Valentine c'est le bro. Ah oui c'est le bro. Le bro, c'est le bro. Après parfois Nick il est pas d'accord avec mes choix et il me dit bro j'ai pas aimé ce que t'as dit. Oui mais parce que lui il est un peu. Il est du bord extrême à l'opposé de toi en fait. C'est-à-dire que lui c'est un bro tu vois. Non mais moi aussi je suis un bro. Non toi t'es un connard. En fait moi j'aime les robots quand ils prétendent pas être autre chose que des robots. Chef, mon petit doigt me dit que là ce qu'il y avait sur lui il faudrait que tu le prennes, le truc qui s'appelle ordre de Calor, mais ça après c'est mon petit doigt quoi. Et il me semblerait que ça soit quelque chose qui puisse être important, je pense, vu le nom. J'avoue, je l'ai ça, vu. C'est marrant, l'ai... Par contre, l'arme que t'as, j'ai jamais vu celle-là, tiens. Bah, elle est forte, hein. C'est quoi, fais voir. Attends, je te montre. C'est fusil de... au radium. Bon, elle est forte. Tu as chopé où? Bah, à Far Harbor. Ah, c'est une arme de... Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, bah, j'avais déjà mon set d'armes à Far Harbor, donc j'ai... Bah, c'est pour ça que j'ai dû passer à côté. Ou je suis passé à côté complet. Mais oui, c'est pas mal fort, ouais. Après, les radiations, je sais pas si c'est si utile d'avoir des dégâts de radiation, tu vois. Bon, pour les humains, oui. Attends, il est où le cadavre, là? Ça, c'est vrai. Bonne question, ça. Est-ce que il a dû voler quelque part? Parce qu'il y a un cadavre, tu m'as dit loot-le, mais là, je le trouve plus, le cadavre. Bah, il était plus, ouais, au niveau de... Ouais, je sais plus. Non, c'est... Derrière la... Ouais... Oh là... Là ? Non. En plus, c'était un des premiers trucs. Je vais voir là-bas. Oh, le viseur, il est... Le viseur improvisé, il fait mal, hein. Oui, oui, bah c'est impossible à jouer avec. Ah si, 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 mais c'est chiant. Bah, en fait, le problème, c'est que la voiture a explosé, j'ai l'impression que le corps a volé avec. Ah oui, oui, le corps a volé avec, c'est 100% sûr. Ah, y a 100%, moi c'est ce qui a pas arrêté de m'arriver. Ok, c'est bon, je l'ai. Nickel. Je pense qu'il faudra peut-être que tu. Je pense que c'est peut-être important. Peut-être. Mais enfin, ça après, c'est. C'est une indication comme ça, vite fait. Je sais pas, mais en fait, non, en vrai de vrai, je me souviens plus de comment la quête est construite ou quoi. Si ça se trouve, ça a rien à voir. Mais c'est surtout que, bah, en général, quand tu vois ordre de machin. Bien joué, Nick. C'est genre dans Skyrim, l'un des premiers trucs qui t'arrive, c'est qu'il y a des boucs qui viennent pour essayer de t'assassiner parce que t'es l'enfant de dragon, tu vois. Et il y a des ordres sur eux et tu ramasses leur ordre et tu sais qui veut ta mort. Mais ça, c'est un DLC, ça. Non, c'est dans Skyrim de base, je crois. Bah oui, t'as Mirac. Oui, t'as aussi le truc avec Mirac. Mais ça, c'est quand tu es à un certain level. Parce que je crois pas que Mirac, tu puisses y accéder level 1, tu vois. Non, je pense pas non. Je crois que c'est quand tu passes level genre 30 ou un bail comme ça. Mais je crois que t'as de base un book qui t'agresse et genre. Enfin bref. Mais tu vois dans l'idée. Oui, je vois. Tu comprends ce que je veux dire. Bref, ouais, faut vraiment par contre que je m'active, que j'aille faire mes courses, que j'aille me raser le crâne, tailler un peu la barbe. Parce que ce soir, je sors en public. Oh là là. Depuis très longtemps. Bah écoute. Faire un petit resto. Bonne, j'allais dire bonne bourre, mais bonne soirée. Eh ben merci. En plus, on va rencontrer Ranok. Oh. Première fois qu'on va le voir dans la vraie vie. Incroyable, du coup, grande soirée en perspective. Bon, on verra, hein. Ça se trouve, on va pas du tout s'apprécier, on va trouver que c'était connard, et puis ça va partir en drama, on va tous se battre, et tu vas entendre qu'à Strasbourg, il y a eu une fusillade dans un truc, hein. Bon, ce serait très étonnant, quand même. Je pense que ça va bien se passer, quand même. Très honnêtement. On va tous mourir. Mais il faut que je sois un minimum présentable pour ça. Donc, Mister... Bah merci bonjour. À toi. Passe une kiffe bien le...
le DLC. Oui. Bah, dès, qu'on aura, dès que j'aurai fini le jeu, on en parlera de toute façon. Je repasserai sûrement au moment où tu seras en train de le faire ou autre. Hein, ou autre, de toute façon. Je pense que d'ici que tu le finisses, on aura le temps de discuter encore. Ouais, il est long à ce moment-là. Bah, si tu fais comme moi et que tu te perds un peu dans les quêtes secondaires, ouais, il y a des choses, y a des choses à faire. Après, c'est vrai, j'ai tendance à faire. Notamment, je pense à une quête où il faut chercher des trucs. Okay. Genre, il y a une quête à collectible qui est assez chiante, mais la reward est quand même. Genre, bah, c'est la meilleure armure du jeu, donc. Oh mon dieu. Bah, selon moi, évidemment. Mais ça, tu verras, de toute façon, tu verras les conditions, tu verras tout, c'est vachement bien. Tu vas kiffer, le jeu est magnifique. Tout. La zone est délicieuse et l'ambiance est fantasmagorique. Incroyable. Ils vont tous les tuer. C'est ce que j'ai à dire. Je le sais. Passe une bonne journée, Luc. Bah écoute, bonne fin d'après-midi à toi et puis bonne soirée, bon jeu. C'est de ma faute. À l'occasion. Ouais, à l'occasion. De toute façon, je bouge pas du Discord. Oui, bah écoute, comme dit, hein, si je repasse, je repasse. Putain, si je repasse pas, je repasse pas. Je ne saurais dire. Tout dépend de à quelle vitesse je fais mes affaires. Okay. Allez, des zoubis. Des zoubis. J'aurais dû m'en douter. Bon, c'était sympa. Un amoureux du jeu qui passe comme ça à la sauvage. C'est ma faute. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les pillards. C'est ça qu'il y a. Ces pourris ont enlevé ma famille. Il faut que vous m'aidiez. Je vous en supplie. Dites-moi ce qui s'est passé, monsieur. Dites-moi ce qui s'est passé. Ils nous ont roulés dans la farine. Et pas qu'un peu. Il y a quelque temps, on a croisé des marchands. Ils nous ont dit connaître un endroit sûr, Nuka World. Mais quand on est arrivé ici, en fait, c'était des pillards. Et ils nous mentaient depuis le début. J'ai réussi à m'enfuir. Mais ma femme et mon fils sont toujours là-bas. Je voulais trouver de l'aide pour retourner les délivrer. Mais j'avais pas prévu que je prendrais une balle. Tiens, voilà, un steam pack. Laissez-moi d'abord vous aider. J'ai un steam pack. Non, ça va aller. Gardez-le plutôt pour ma femme et mon fils, Lisa et Cody. Mais j'en ai plein. J'insiste, j'en ai plus qu'assez, prenez-le. Merde. Écoutez, vous avez pigé le truc. Je suis pas vraiment blessé, ok? Mais... J'en ai marre de jouer à ce jeu. C'est les pillards de Nuka World qui m'ont forcé. Ils attirent les gens et ils les tuent pour s'amuser. Mais je veux plus faire leur sale boulot. Et tant pis s'ils s'en prennent à moi. Laissez-moi vous aider. Je vais les trouver. Inutile de mettre votre vie en danger. C'est vrai? Faites attention. Ce sera pas une partie de plaisir. Tenez, prenez ça. C'est le mot de passe du terminal de contrôle du monorail. Le moyen le plus rapide d'aller à Nuka World, c'est le Nuka Express. Mais je l'ai coupé pour faire croire plus facilement à mon histoire. C'est plus crédible si je dis que j'essaye de tenir les pillards à distance. Vous pourrez le remettre en route à l'aide du terminal, dans le bureau. Mais faites attention. Quoi ça? T'as sa café, un paquet de cigarettes, ça nous intéresse pas tout ça? Vous savez, je parle couramment le langage des... Oui, moi aussi je parle couramment le langage des machines. Hop, on active le chemin de fer. Yay, machine capricieuse. Vous voulez que je jette un œil à ce terminal? Lequel? Celui-là? Non, mais c'est bon. Non, c'est bon, ça c'est fait. Allez, rendez-vous à Nuka World! Express. Pour votre propre sécurité, merci de rester assis ou de vous tenir aux mains courantes lorsque le train est en marche. Si vous regardez sur la droite du monorail, vous pouvez observer le célèbre Mont Pétillant de Nuka World. Haut de plus de 100 mètres, le Mont Pétillant est la plus grande structure artificielle de Nuka World. Venez profiter de son restaurant panoramique 5 étoiles, le Grill du Mont Pétillant. Droit devant vous se dresse le cœur de Nuka World, Nuka Town, avec l'arène de Colacars, l'amphithéâtre...
Ah. Tiens, tiens. Regardez qui se pointe quand même alors qu'on lui a dit la vérité. Harvey a bien fait son boulot, on dirait. Je n'ai que quelques instants. Alors écoutez-moi bien. Je m'appelle Gage. Porteur Gage. Et notre cher Harvey vous a pas vraiment dit toute la vérité. Vous avancez quand même tout droit dans la gueule du loup. Mais si jamais vous vous en sortez, j'ai une offre intéressante à vous faire. En attendant, amusez-vous et offrez-nous un bon spectacle. Je n'en manquerai pas une miette. Mais ça promet. Nous arrivons maintenant à la gare. Vérifiez que vous n'avez oublié ni bagages ni enfants avant de descendre du Nuka Express. Vérifiez que vous n'avez pas oublié vos enfants, quoi. Si vous avez embarqué, on dirait qu'on va avoir de la viande fraîche dans l'arène. Si je pouvais avoir la chair de poule, c'est ce qui m'arriverait en ce moment même. Sauvegarder. Apparemment, il y a une arène. Et c'est parti! Espérons que notre nouvelle croix trouvera un peu d'inspiration en pensant à tous ceux qui ont échoué avant elle. Bah, ok. PV illimité, quoi. Ça devrait plus beaucoup lui servir. Et voilà. Bordel, l'équipe d'Arthur qui... Bouge-toi un peu, capitaine. Mais... Ah mais j'avais plus de PV, j'avais pas fait gaffe. Oh là là, je me fais victime direct. Inacceptable. Okay, il a être. Attends, soigner un peu. Soin de l'eau purifiée. Voilà, ça fait du bien niveau munitions. On va voir un peu on est comment là. On n'est pas ouf sur les deux meilleures armes. Celle-là non plus. Bon, on n'est pas ouf en fait en termes de munitions. Ouais non, c'est pas ouf.
sait ni que des balles, on dirait. Heureusement qu'on a d'autres surprises en réserve pour elle. Coffre à outils. C'est bon. Notre objectif est toujours en vie, mais ne désespérez pas. L'arène lui réserve encore bien des surprises. Ça y est. Oh. Épingle à cheveux, jetons, une queue pour la chérie. Mais... quelque chose. Mais je sais pas. T'as rien passé en vrai. Eh, ça je suis nul. 8. Bang. Raid. Duel. Il y a deux lettres. Génial. Ok, c'est bon. Commande des tourelles. Activé. Ok, oui. C'est bien négatif envers moi. Mais. 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 Mais pourquoi ça marche pas? Attends.
Panique. Mais pourquoi je peux pas faire de dégâts aux tourelles? Bah voilà. On va prendre ça. Il y a juste elle où j'arrive pas à faire de dégâts. Voilà, c'est bon. On se dépêche un peu, peu importe ce qu'on fait, la reine nous rattrape toujours à la fin. Oh quoi, vous allez dire que j'exagère? Mais je crois que notre petite victime n'aime pas s'amuser. Mais... Génial. Ridiculisé par un singe. Notre victime a... qui sont partis pour devant. Mais... Voie à l'air libre. C'est bon. C'est quoi ce bordel? J'ai déjà vu des bramines se déplacer plus rapidement que ce souffre-douleur. Ça va être vite fait. Nous n'embêterons plus personne maintenant. Je suis perdu. On va pas jouer par là. Ça doit pas être, c'est par là. Incroyable. Ça fait mal. Ça fait mal à nouveau. Oh, Nick. Il le vit bien, Nick.
Mais non. Vas-y, Portal. J'espère qu'il ne vous dira pas de nourrir les petits armes en jeu. Ouais, non. Ah, des fois, je les déteste en plus. Mais cassez-vous! Ouais. Un peu déçu. Eh ben. Compliqué, hein. Compliqué cette histoire. Génial. C'est un vrai génie. On va la faire pour les yeux. On va voir si notre victime arrive à couper le gaz avant de se faire gaffer. Oui, nickel, le machin explose à côté. Ça y est. Alors, rat de cafard légendaire. Bouc. Légendaire ou pas. Crochet à viande. Oh. Ça, ça me rappelle des choses. Hein. Le premier film d'horreur que j'ai vu, notamment. Il y a quelque chose dans les parages. Bienvenue dans vos Alors. Nick, je t'adore, mais ce serait cool que tu te casses. Histoire que je puisse passer. Allez, la petite, t'attends ton beurre de vieillesse ou quoi? T'es chiant, Nick. Nick, j'ai besoin de toi.
quoi le plan? Impossible de déchiffrer le code. Vous pensez pouvoir débloquer ce terminal? J'aimerais bien. Leur sécurité, c'est pas de la gnognotte. C'est ouvert. Quel beau gosse, quoi. Merde. Ça date de quand, la dernière sauvegarde? Ça va, ça date d'il y a pas si longtemps que ça. En fait, je sais pas ce que ça ouvre son truc là. Comment est-ce que t'as structuré? Ouais, je vois. Ah mais j'avais pas vu, mais ma vie elle descend vite. Je pensais que c'était juste la respiration, mais en fait non, c'est les points de vie qui descendent. Voilà, il est tout à vous. Il y a trop de gens de nos jours qui ne voient que la violence comme celui-ci. Les fourmis, ils prennent deux balles de fusil à pompe. Allez, coup critique, ça dégage, hein. Comment je m'en vais d'ici? De l'autre côté par une chaîne. Bon Dieu, on dirait qu'on va avoir un vainqueur aujourd'hui. Il est temps de faire participer le public. Il se passe un truc. Qu'est-ce que... Ça fait un moment que j'attends ça. On joue.
joue à cache-cache. Mais monsieur. On résiste, hein. Bah vous, vous résistez, c'est pas permis. Trop tard. C'est toi qui résiste. Direct, on n'est pas seul. Bien essayé. Il a rien pris en dégâts. Regardez ses PV. Ridicule. Ouais, boss. Pas trop tôt. Va m'éteindre cette putain d'alarme. Ok, je m'en occupe. Bon, alors, où est-ce que... Ah, voilà ma nouvelle victime. Bon, on dirait que ça va pas durer longtemps. Voilà comment ça fonctionne. Va t'équiper, rends-toi présentable et reviens ici qu'on offre un petit spectacle à tous ces gens. Un spectacle au cours duquel je décorerai les murs que tu vois là avec ta matière grise. Avec cette armure, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Moi. Si tu crois que ton armure assistée va t'aider, laisse-moi te dire que tu rêves. Ok, Gage, laisse-la passer. Quelque chose me dit que je vais me régaler. Le grand moment est arrivé. Et... Encore un coffre ? Eh ben, le jeu est généreux. Hein. Génial. Écoutez-moi si vous voulez vous en tirer vivant. Je n'ai qu'une minute. Cherchez l'intercom mural. Je vais faire vite. Sacrément dégusté. Ouais. Qui est-ce ? Je suis celui qui va vous permettre de rester en vie. Alors écoutez-moi. Allez-y, je vous écoute. Brave petite. Écoutez, si vous avez réussi à arriver jusque-là, c'est que vous savez vous débrouiller. Mais le combat qui vous attend est truqué. Vous savez, le grand Manitou Colter, son armure assistée est réglée de sorte à absorber la puissance du réseau électrique de l'arène. Ça le rend carrément invincible. Vos prédécesseurs ont tout essayé. Minigun, grenade, rien, pas une égratignure. Vous commencez à piger ce que je veux vous dire ? Ouais, plus ou moins. Je m'attendais à ce genre d'entourloupe de la part d'un pillard. Ah, je vois que vous nous connaissez. Vous voulez gagner ? J'ai planqué une arme dans un casier. Allez la chercher. Oui, il est où le casier ? Joli. Coupe soif, pistolet à eau. Du coup, j'ai l'arme. Est-ce que c'est bien un pistolet à eau ? Ouais, ouais, je sais de quoi ça a l'air. Vous allez devoir me faire confiance, ok ?
J'ai toujours rêvé d'en avoir. Ça ferait un chouette jouet pour Sean. Ah, super! C'est votre jour de chance, félicitations! On peut continuer maintenant? Dès que l'eau touchera l'armure assistée à alimentation électrique de Golder, elle causera un court-circuit. Ça bousillera ses défenses et vous aurez le temps de lui infliger des dégâts avant qu'elle se recharge. Si vous le dégommez, je vous promets que ça vous paiera de tout le temps que vous avez passé dans l'arène. C'est comme si c'était fait. J'aime ce genre de discours. Bon allez, c'est l'heure. Je vais ouvrir la porte. On se retrouve de l'autre côté. Heureux. On va se taper dans l'arène. Alors attends. Faut prendre le pistolet à eau. Coupe soif. Disciple, êtes-vous prêt à avoir coulé le sang? Quoi, on ouvre? Crâne, os de main. Une bouteille de Nuka-Cola. Bonjour ce truc là. De toute façon ça se voit de fou, en vrai il est tout électrique le gars. Et toi, tu sais que tu vas mourir. C'est parti. C'est parti. T'es sérieux toi? Ouais, il m'a fait exploser derrière, mais c'était pas nécessaire. J'étais déjà mort à la base. Putain, il est super cher le con. Ah mais il me restait que 10%, c'est pour ça. On n'a pas été attentif. À mort, à mort, à mort. Vous êtes prêts à ce que ça devienne sauvage? Opérateur, êtes-vous prêt à me voir remporter une nouvelle victoire? Et toi, tu sais que tu vas mourir. C'est parti. Le bâtard de top. Quoi, ça là, serait un pistolet à eau. Mais il me voit malgré tout. Il me voit malgré tout le con. Mais il prend rien en dégâts, c'est une dinguerie. Je pensais pas que j'allais avoir besoin d'une deuxième salve, on va dire. Attends, petit soin. Une, deux. Bien essayé, tête de nœud. Le grand manichou vient de tête de nœud. Je vais le piller. Il a parlé de petits soucis techniques. Je vais le quand même. Bouc. 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 Trois ratés, hein. Et voilà, minable. Ah oui.
clé du grand Manitou, mot de passe, capsule, Nukala Cola, Quantum. Comment niveau poids ? Bon, on est bien. Cette nana ? T'es sûr, Gage ? J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Hé, t'as déjà parlé de ça. Elle a survécu à l'arène. Elle a été assez maligne pour suivre mes conseils et assez forte pour tuer Colter. Elle est exactement ce qu'il nous faut. Alors si on montrait plutôt un minimum de respect à notre nouveau chef, hein ? Elle sera respectée quand elle le méritera. On est d'accord. Vous pouvez me libérer du coup ? D'accord, d'accord. Maintenant, sortez de là. Je vais vous montrer qui est le chef ici. C'est moi. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Comme sur des roulettes. C'est grâce à vous. C'était un bon plan. Et en plus, ça a marché. Je sais bien que vous comprenez pas ce qui se passe et que tout arrive bien trop vite. Mais vous devez m'écouter. Se débarrasser de Colter, c'était pas une décision prise à la légère. Ça faisait un moment que certains d'entre nous y pensaient. Maintenant qu'il est mort, la place de Grand Manitou est vacante. Et devinez quoi ? Vous venez d'en hériter. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance et de tenter le coup. Je vous jure que ça en vaut la peine. Disons juste que vous avez réussi à éveiller mon intérêt. Tant mieux. Alors, écoutez-moi bien parce que j'ai des tas de trucs à vous dire. Il y a 3 gangs de pillards qui mènent la barque à New Coward. Les disciples, les opérateurs et la meute. Et oui, des fois que leurs noms vous suffisent pas pour le comprendre, ces types ne sont pas des pillards comme les autres. C'est tout sauf des enfants de cœur, même entre eux, à cause de Colter. Cet endroit est un baril de poudre qui n'attend qu'une seule chose, exploser. Au moindre faux pas, on aura un bain de sang sur les mains. Je crois que vous êtes capable de changer les choses et d'empêcher ces gangs de se déchirer. Ça a l'air marrant. Vous pouvez compter sur moi. C'est ce que je voulais entendre. Maintenant, j'imagine que vous avez un paquet de questions à poser. Mais c'est pas l'endroit, ni le moment. Retrouvez-moi au fief du Grand Manitou, vos nouveaux quartiers. Le restaurant qui surplombe le Mont Pétillant. On pourra y causer. Je vais vous ouvrir la porte. Voilà. Merci. Agréable. Des bisous. Je m'envole. On va garder nos petites conversations pour nous, si ça vous dérange pas. Retrouvez-moi dans les quartiers du Grand Manitou. Ouais, bon, on se retrouve là-bas, alors. Du coup, je suis devenu le Grand Manitou. Ça va vite, hein. Inclinez-vous face au Grand Manitou. Voir un peu la carte. Ça n'a pas l'air très grand. Ça a l'air d'être une map d'une taille acceptable. Après, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est bon. Regardez, Starfield, c'est immense. Une immensité remplie de vide. De l'ordinaire ici, hein ? Peut-être quelque chose de caché, de la forme d'une capsule de bouteille ? Je croyais qu'on vous avait dit de rester au marché. Si vous voulez quelque chose, vous le trouverez là-bas comme tout le monde. Je m'en fiche de votre marché. Je n'ai pas parcouru des centaines de kilomètres pour faire les courses. J'imagine que t'es pas venu non plus pour te prendre une balle dans le crâne. Si tu veux vivre, je te conseille de rester à ta place. Pour l'hospitalité, on repassera. Nisha n'a qu'une seule règle, en fin de compte. Faut jamais se faire prendre. New Coward. Thank you.
de chansons de Nuka-Cola dans la tête. Oh là là, c'est les ascenseurs du futur. Adieu Nick. On prendra le prochain. Bienvenue chez vous, chef. C'est chez vous ici maintenant. J'espère que vous aimez la déco. Colter avait des goûts un peu particuliers, mais la vue n'est pas dégueu. Maintenant que vous êtes aux commandes, vous avez le contrôle de tout ce que vous voyez là. Cette idée me plaît bien. Ça me plaît bien, cette idée. Je m'en doutais. Écoutez, je vais être franc avec vous. Pour sauver cette opération, il faut que quelqu'un en prenne les commandes. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas moi. Je ne suis pas un meneur d'hommes, et certains m'en veulent déjà d'avoir soutenu Colter pendant tout ce temps. Je serai plus utile en aidant le nouveau grand Manitou à faire rentrer les choses dans l'ordre. Pigé ? Je comprends. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'un seul coup. Faut prendre un peu de recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble, d'accord ? Nuka World, putain, ça c'était le rêve. Immense, construit comme une putain de forteresse. Si vous arrivez à le faire tourner, le monde entier vous appartiendra. On a fait le plus dur. C'était un putain d'exploit d'arriver à faire bosser ensemble les disciples, les opérateurs et la meute. Mais on a réussi. C'était il y a un an à peu près. On a défoncé la porte principale, on a pris Nuka Town et on a mis ses marchands en laisse. Et là, disons que Colter a commencé à se tourner les pouces. Il était trop heureux de rester à rien foutre. Il a même pas essayé de prendre le reste du parc. Les gangs ont commencé à s'impatienter, à se chercher des noises entre eux. C'était vraiment... Et c'est encore un sacré bordel. Je peux y arriver. Je peux arranger les choses. Ah ouais ? Bah franchement, j'espère. Je crois que j'ai entendu parler de vous, en fait. Vous êtes une grosse tête de la confrérie de l'acier, c'est ça ? Ils sont pas tellement différents d'un gang de pillards, si vous voulez mon avis. Mais ça reste une belle bande de voleurs. Je connais les gangs comme personne. Ça fait des années que je me bats avec ou contre eux. Je vous aiderai, ok ? Je vous expliquerai tout. La première chose à faire, c'est d'amadouer les gangs. Sans leur soutien, vous en foutrez pas une. On vous demande pas de leur faire confiance. Merde, on vous demande même pas de les aimer. Il faut juste qu'ils vous respectent assez pour vous suivre. Vous savez comment je pourrais m'y prendre ? Sans déconner, c'est des pillards, ils sont pas si durs à comprendre. Dites-leur que c'est eux les plus méchants ou que vous allez les couvrir de capsules. Pas la peine d'en faire trop non plus. Vous en faites pas pour moi. Tout le monde m'adore. Moi, je compterais pas trop là-dessus si j'étais vous. Techniquement, vous êtes déjà le nouveau grand Manitou. Donc, bon, vous avez fait le plus dur, on va dire. Faut aller voir leur chef. Parlez-leur, jouez un peu de vos muscles. Montrez-leur que vous êtes pas là pour plaisanter. Allez, on s'y met. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Faut juste leur montrer que vous êtes la femme de la situation. Si vous avez besoin de moi, je serai ici. Vous êtes le grand Manitou que je sache. Juste, faites pas tout foirer. Mais c'est bon, arrête, oh. Oh. Du jet. Ok, alors là il y en a un tout proche, on va aller voir. Faites attention à vous, boss. Oui, je fais attention à moi, madame. Madame, je fais attention à moi. C'est toi le chef là ? On lui donne une deuxième chance. Gage sait que s'il foire ce coup, on va l'écorcher vif. Alors ferme-la et sois patiente. Et toi, le gros dur, t'as rien à dire à ce sujet ? Tant qu'elle se met pas en travers de mon chemin, je m'en fous. Ouais, je m'en doutais. Allez-y, et assurez... Ils ont l'air solides, hein, en termes de PV. Le nouveau grand Manitou. Bonjour. Hein. Alors, c'est vous. Vous voulez parler à Nisha, j'imagine. Allez voir Nisha. Je suis le grand Manitou.
Aux dernières nouvelles, je suis le grand Manitou. Vous avez survécu à la reine et tué Colter. Avec l'aide de Gage, bien sûr. Donc oui, vous êtes le grand Manitou. Mais ce titre ne représente plus grand-chose depuis longtemps. Si Gage croit que ça va changer du jour au lendemain, il se trompe lourdement. Ce n'est un secret pour personne qu'on voulait la mort de Colter. Évidemment, si ça n'avait tenu qu'à moi, elle aurait été lente et douloureuse. Mais peu importe. Finissons-en avec cette discussion. Je m'appelle Nisha. Je suis à la tête des disciples. Nous n'avons qu'une seule règle par ici, c'est maintenir la paix au sein de cette alliance. Sinon, moi, je vois les choses de cette façon. Ce monde a cessé de se préoccuper des règles le jour où les gens ont commencé à se balancer des bombes sur la tête. Ce monde a besoin de règles. Autrement, on s'en remettra pas. Les règles commencent à être dangereuses quand les gens s'y fient. Elles vous font croire que vous êtes en sécurité, mais dès que vous tournez le dos à quelqu'un, vous êtes mort. Colter croyait qu'il y avait une règle ou un code qui le rendait intouchable, mais il s'est rendu compte qu'il avait tort, à ses dépens. Enfin, il a quand même un peu de mérite. N'oublions pas que c'est lui qui a construit l'arène. Évidemment, au début, c'était de la merde. Aucune imagination. Mais on a un peu corsé les choses. Combien de gens sont morts dans cette arène ? Qui peut savoir ? Assez pour occuper les marchands, en tout cas. Quand ça commence un peu trop à chlinguer, on aime bien les envoyer tout nettoyer. Ils n'en ressortent pas toujours vivants, bien sûr. L'arène ne dort jamais. Il vaudrait mieux fermer cette arène. C'est dangereux. Dangereux ? Les gens sont dangereux. Ce truc, c'est rien qu'un jeu d'enfant, une poignée de pièges et de bestioles. Espérons simplement que Gage a raison à votre sujet. Il nous a fait beaucoup de promesses pour nous faire venir ici, mais il ne les a jamais tenues. Alors, vous n'avez pas intérêt à déconner parce que j'ai eu ma dose de bobard. Il n'y a pas meilleur que moi. Vous parieriez votre vie là-dessus ? Vous voyez, les disciples ne font jamais de menaces en l'air. On tient toujours nos promesses. On ne se laisse pas influencer par les capsules comme ces enfants gâtés, obsédés par leur coiffure, ou ces animaux sauvages qui ne savent pas se tenir en public. Si vous merdez, je vous tue. Et je vous raconte pas ce que je ferai à Gage. Pour lui, j'ai des projets bien plus ambitieux. Mais si vous tenez vos promesses comme un grand Manitou digne de ce nom, vous aurez notre soutien. Vous vivrez et tout le monde y gagnera. Je ne fais pas de promesses. Et vous allez faire ce que je vous demande. C'est déjà une amélioration par rapport à Colter. Je vais attendre de voir comment la situation évolue, pour l'instant. Mais si vous changez d'avis et que vous décidez d'être sympa, on ne manque jamais de travail ici, alors si vous voulez faire vos preuves, vous savez où me trouver. Très bien. Bon. Encore une fois, c'est moi le grand Manitou, mais on me menace. Des grands moments d'aventure, quoi. Allez, rendez-vous bientôt pour la suite de notre aventure. Au revoir.